C'est pas du tout la bonne époque. En fait, c'est pas que t'arrêtes de compter, c'est juste que tu sais plus compter après 20, quoi. Ouais. Il est content. Je t'avais qu'il a l'air content. Est-ce qu'il y a une bonne époque déjà? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a une bonne époque? Quel idiot. Oh! Ça va pas ou le manque de respect? Je suis ton aîné, je te rappelle. Yola, c'est moi qui vais te la mettre dans le nez. Oula. Ça fait plusieurs fois que tu me sors des phrases comme ça. C'est un peu bizarre parce qu'il y en a un qui dit qu'il va te la mettre dans le nez et toi t'as dit aller vous faire enculer. Je me demande si je suis vraiment dans le bon camtar ou si je suis chez les villages people. Ah t'inquiète pas, toi t'es dans le bon camtar, personne touche à toi ici, t'inquiète pas pour ça. Ah ouais, tes phrases elles sont longues. Ouais, oh, c'est horrible. Bah laissez-la parler quand même, l'avoir trop parlé comme avoir envie ouais, de... Ouais, pourquoi vous me laissez pas parler? Par contre, on est tous unanimes pour dire qu'elle est dégueulasse. Pardon. C'est vrai quoi. Non, moi je trouve qu'elle a un charme. Oui, t'es amoureux toi. Non, mais toi t'es amoureux de toutes les femmes américaines, idiot. J'ai juste dit qu'elle avait un charme. Je trouve qu'elle a... Elle a un beau pantalon. C'est la bille. Il est beau ce pantalon. Et comment t'as trouvé son pull chorizo? Oh, je croyais que c'était une... Parce qu'elle avait gagné un concours Pizza Hut. Et qu'elle avait gagné un pull. Ouais, je me suis fait tatouer le symbole de Pizza Hut. Alors du coup, j'ai des pizzas gratuites à vie et un joli pull. Oh, ouais. C'est bien, tu fais des économies. Eh oh! Range-toi! J'emmerde, sac à merde. C'est toi le sac à merde. Et vous avez vu comment ce compte s'est amélioré? T'as vraiment aucun style. C'est vrai que c'est bien pour nous ce que tu lui fais là, je suis fier de toi quand même. Oh, c'est vrai que 3 panneaux ce soir, pas du tout. Attendez, là, faut que je me concentre, c'est dur, il y a des obstacles. Qu'est-ce qu'il fait? Bah lui est en train de rentrer dans le bas. Fallait pas rentrer? Si, rentre. Rentre et klaxonne partout. Aïe! Bagarre! 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 C'est un bagarre! 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 Je disais, bon. Ceux qui n'ont rien à voir ici, là, qu'est-ce que vous faites tous ici, là? C'est quoi ce regroupement? On est pas là, on est pas là pour être ici, ok? Vous êtes ici, là. Ah, ça peut être là, physiquement, vous êtes là. Voilà, ouais, c'est pas une raison. Donc, qu'est-ce qui se passe nous. Ici, là? On a vu chez nous. Oui, est-ce sais, que je vous demande ce que vous foutez ici? Non, moi, c'est la bah ouais, mais moi, c'est mon travail de m'assurer que l'ordre on a fait un grand barbecue. Je vais t'éclater, gros. D'ailleurs, là, on a un monsieur, là, qui a fait un... Lui voulant la bagarre, lui voulant la bagarre. Bagarre. Ah, moi, tout le monde, la bagarre. C'est la bagarre, tu as la bagarre, la bagarre. On se calme, là, on se calme. Vas-y, oh, allez, allez, j'aurais pas le colonel en présence, toi, je t'aurais déjà arraché, ton bonnet, toi. Vas-y, la bagarre, la bagarre. Oh, oh les gitans! Monsieur la chemise jaune là, est-ce qu'on peut parler tranquillement? Parce que là ça commence à devenir un peu. Ouais, non, là c'est. C'est qui la chemise jaune? C'est vous, chemise jaune? Jean-Louis, je sors d'ici là, avec son crâne d'œuf, t'as pas vu comment il me regarde depuis tout à l'heure? On dirait. Je vais te laminer, je vais t'éclater, bien. Je vais te faire rajouter sur les cocotiers, y'a pas de problème. Oh putain, toi tu vas voir, je vais te prendre un rendez-vous sur des pour l'avenir de ton crâne, je sais que tu vas pas l'enculer. Excusez-moi, je suis un peu, malade. Voilà. Là, c'est des maladies pour toi. Eh ouais, nous on a microbe avec nous, les frères. Vous pouvez rien faire. Ouais. Attends, il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Je sais pas ce qu'on. Y a la buffalo rouge. Ah, ça veut dire qu'ils vont. C'est quand tu t'insères dans le bloc. Ouais, c'est comme ça. Je vais cracher un molar comme jamais. Vous voulez rentrer dans le bloc?
Ça sent du lourd. Il veut quoi là? Qu'est-ce qu'il a ramené? Kayassiné! Bagarre! Qui est prêt pour une douche? Bagarre! Les personnes qui sont là sont des habitants pacifiques du bloc, qui essayent de se réinsérer socialement et qui sont très cool. Mais bien sûr! Si t'es pas d'accord, tu prends une steak! Je vois pas de quoi tu parles! C'est un constat! Un constat de quoi? Ah là là là, la grenouille là! Le tapette du bloc qui débloque. Tu veux faire un bras de fer? Tu veux faire un bras de fer? Je vais déglinguer le crâne d'œuf. Bah ouais. Tu veux faire un bras de fer? Ah y'a pas de soucis. Si je gagne, tu me donnes ton arme. Bras. C'est ce que j'allais te dire. Allez, crâne chauve, tu te fais bouffer. Voilà. Vas-y, Renaud. Non, mais j'en ai rien à foutre de ce qu'il fait pour toi. Tu veux faire un bras de fer? Il respecte pas la loi. Il est sur un délit de vie. Tu as un refus de tempérer. Il y a même pas 10 minutes. Mais qui? L'Agdar? Mais l'Agdar, il est là. Mais ouais, c'est un mytho. J'ai rien, je sais. Mais après, il fait ce qu'il veut quand il veut. Il refuse le bras de fer. J'ai gagné. Hop, j'ai gagné. On s'arrange avec eux. Non mais moi ce que je vous dis c'est si vous voulez rentrer dans le bloc Stanley, vous pouvez rentrer dans le bloc, à part la Buffalo Rouge qui n'a rien à voir avec le bloc, qui vous arrivera rien du tout. Mais comment ça c'est quoi, tu diriges le bloc? C'est vrai, c'est vrai. Mais je dirige pas le bloc, je suis venu en tant que médiateur. Oh, mais pourquoi t'es venu en tant que médiateur? Parce que j'essaye de les réinsérer socialement et de les aider à s'en sortir. Il est là pour apaiser les tensions, il éclate le crâne, enculé. J'ai des contacts dans la police, j'ai des contacts avec eux, j'essaye de calmer les tensions. Putain, crâne de sale rocher. Ça se passe comme ça, non? On peut pas péter une vite quand même. Mais perdu dans le tas. Y'a quoi? Y'a des causes perdues dans le tas. Pour moi, y'a aucune cause perdue, tu me connais. La veuve et l'orphelin. Ouais. Moi je comprends rien de ce qu'ils disent. Hein. Donc si vous voulez rentrer, vous dites dans pour rentrer, vous débrouillez avec le gars qui est dans le bloc. Sinon j'ai une idée. Oh là, je casse la gueule. Je fous une steak, on se barre tous en courant dans le bloc. Moi ça m'arrangeait bien qu'il y a des tensions. Ouais. J'aurais pu péter. Le chauve. T'es pas bienvenu ici, enfoiré. Y'embrouille. Y'a Goukanu sur gauche là. Oh sa mère. Courez. Oh les enculés. Bah où là? J'ai failli me faire mouiller là, j'ai de lâcher les culs. Oh ben voilà, impeccable. Ta matraque, espèce de merde. Bah viens sans la matraque. Viens Lagdar. Mets une steak! Mais je suis entre les deux yeux! On arrive tous si tu tombes, t'inquiète! Mais mon cul, vous êtes tous! Promis! Si ça dégénère, on sort, t'inquiète! Est-ce que quelqu'un a de la cocaïne? Au cas où? Non, t'inquiète, je t'appelle conjoint! Ah merci. Ta gueule, Shrek. Je parle pas de vous. Shrek. Vas-y, Loïs. Vas-y. Vas-y. Un bagarre. Oula, comment ça, écartez-vous? Oula. Je crois qu'il va foncer. Quoi? Non, arrête. Bolo, t'es chopé. Prépare-toi, reculé. Non, avance, mets les freins à main. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller chercher l'Agdar. Polo, quoi qu'il arrive, tu bouges pas, Polo. Viens me chercher, je t'explose le fessier, espèce de cul. Vas-y, casse la gueule. Viens de l'autre côté. Oh non, de l'autre côté. Viens. Ah, toi, ressortir. T'attends, espèce d'enculé, je t'attends. Voilà les Romains, voilà. Allez, viens, crâne de. Viens, crâne tous les. Je t'attends. Vous voyez derrière, vous êtes pas caché. T'attaques les gens du voyage. Casse un carreau, toi. Mais vraiment. Dans le même. Oh le non-courage absolu. Oh. Quoi? Oh là. Oh là. Ouais. Quoi? Oh là. Corre. Toi t'as toujours la banane, toujours debout. Et voilà, Fais gaffe parce que une sec et je te couche. Regarde, ils ont fait une poste médicale juste en face pour les flics. Oh, c'est bon de raclos. Eh viens, on va les voir. Les médecins sont même pas impartiaux. Laisse tomber. Attends, serment d'hippopotame, ils l'ont mangé. Ils sont sur les toits, il y en a sur les toits et tout. Sortez pas, c'est pas une bonne idée. Yo, c'est Walking Bear.
Ah ouais, c'est la tête de la zombie. Ah, sa mère, yo. Yo, casse ta mère, ouais. C'est la jungle. Aïe, aïe, aïe. Quoi? Microbe. Pas de sa caisse. Aïe, sa mère. Viens, ambulance, microbe. Je vois. Non, on va voir les médecins. Qu'est-ce que tu racontes? On va voir les médecins. Restez à distance pour le moment. Vous restez à distance pour le moment, messieurs. Et on va voir les médecins. Qu'est-ce que tu racontes? Non, il y en a qui a une batte de baseball dans la main là. Il y a microbe qui va mourir. Ah ouais, mais non, c'est une merde. Laissez passer au moins microbe si vous pilez. À la voir rien fait, microbe. Yo, on a même pas le droit au soin. Yo, non, c'est rien. Ah, voilà. Je sais pas conduire. Ah, bah. Les autres, vous attendez votre tour. Ça va, je rigolais. Ça a pas très bien marché, McCravitch. ça a pas très bien marché, McCravitch. Je t'ai connu meilleur en médiateur. Je voulais leur sauter dessus. Bah, bagarre. Bon, bah, je trouve que tu fais cette blague un peu trop souvent, du coup, on va finir par y croire. Moi, j'ai l'impression que pour un bagarreur, tu fouilles vite quand même. C'est ça, ouais. C'est moi qui ai mis la première. Bon. Ouais, mais t'as vite couru, t'as détalé comme un lièvre. Bah, je te couche définitivement ou pas là? Non, non, non. Mais je ne connaissais pas ces personnes là-bas, je ne les connais jamais. Oh non, mais la buffalo. La buffalo, elle est partie. Et voilà, bien joué, les gars, victoire. Allez, raté. Hop là, raté. Bravo la police. Yo, les médecins. Bravo la police. Yo, les médecins. Il y a un mec qui s'est fait renverser. Yo. Il s'est fait renverser. Ce soit pas au téléphone. Venez. Ils l'ont écrasé. Oh, il y en a deux. Là, je vous demande de reculer. Il est là-bas. Elles sont où, mes affaires? On les a, Pierrot, on a tes affaires. Putain, j'étais tranquille au milieu de la route, ils m'ont renversé ces connards là. T'es malade. Ah bah. T'es enfin, tranquille au milieu de la route. Johnny, ah non, mais c'est pas quoi? Non. Nous, on va le problème. Merde, quoi? Putain. Le rouquin avec sa crête, il arrête pas de dire que c'est le nous, les fautifs. On va devoir casser gueule à lui. Ah oui, il envoie des gentils avec les flics maintenant là. Bon. Ouvre ta portière. Reculez. Attendez, chef. Ouais. Le rouquin là qui fait comme si c'était un club de réinsertion, je sais pas quoi là. Ouais. Cette fiotte là. Monsieur l'agent, bougez pas. Il est vraiment en train de m'expliquer que c'est notre faute si ça a dégénéré là. Ah bah ouais. Oh, j'ai jamais vu ça, c'est ça les rebelles en 2021 là. Bah, ouais, tu peux savoir vers où elle est partie, la voiture que vous cherchez là? Elle est partie là, à droite là. C'est quoi là? Ok, j'ai une intervention là, au 6009. C'est le buffalo rouge? Merci. Attention les gars. Qu'est-ce que c'est que ce sac à merde? Ça me dégoûte. Viens, on va choper devant tout le monde. Attends, et le rouquin là qui joue le chef, il est en train de nous balancer que c'est de notre faute si ça a dégénéré. C'est vraiment un enculé. On le défonce lui, non? Oh, MacGyver! On défonce qui? Quoi, c'est vrai? Quoi? Ça va pas de me frapper comme ça? Je t'ai pas frappé, il t'a failli te faire écraser, je t'ai chauvé la vie, fais un bisou là. Ah, c'est dégueulasse. Oui. Avec ma petite moustache sur ta moustache, on a fait scratch. Pour éviter de faire des conneries. T'es qui toi avec ta moustache? Ouais, ça marche bien, pas la main. Parfait. T'as dit quoi? T'as dit tu veux que je te la repeigne et que je te la mette dans le. Je t'emmerde, mon enculé! Voilà! Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà! Espèce de bâtard! C'est ça, voilà! Ok. Anti-lut, j'ai dos sur le groupe. Ouais, couché maintenant! Aïe!
C'est faux. Oh, j'ai chez Médor. Ok, tout le monde recule tout de suite maintenant. Dépêchez-vous, tout le monde recule. Dégoût. Et hop, la couchée, le rouquin, la terminé. Là. Je finis les conneries maintenant, tout le monde recule. Ouais, c'est bon, là, le chef qui vous balance, il est couché par terre maintenant. Du bordel. Terminé. Ah, dis, on s'en prie à mon collègue, excusez-moi. Il peut éclater. On a éclaté. On va pas faire le malin maintenant. Non, à mon avis. Oh, c'est horrible. Oh, ouais. Ah, je crois que je vais avoir besoin de médecin. Moi. Ouais, je pense qu'on va aller faire un tour aussi parce qu'il y aura ce patin à se faire buter. Ouais. Voilà. Tu penses que c'était un gros poisson? Je crois que c'est celui qui est venu donner des armes. Ah oui, c'est vrai. Ouais, on le trouvera ailleurs, on s'en branle. Là. Mais oui, ils ont dit qu'il y avait autre part, on va trouver autre part. Et on va venir faire de ces blocs. Non, mais c'est bon, bloc. Mais le bloc, c'est un truc de. Ok, j'ai compris, ouais. C'est un truc qu'on fait semblant d'être des méchants, puis en fait, on est copains avec la police pour pas que ça dégénère. On va changer ça, t'inquiète pas. On se casse de là. On va revenir prendre le contrôle du bloc. On reviendra quand on sera arrivé, on tuera tout le monde là-dedans. Et puis, là. Bien dit. Allez, microbe, remonte là. Non, mais il en manque un là, non? Il est allé se faire soigner. Il manque le russe. Mais attendez, attendez, parce que il y a un monsieur qui a dit qu'on pouvait trouver des armes ailleurs. Ouais, je sais. Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est pour ça qu'on va aller voir autre part. Mais c'est qui ce mec roux torse nu? Je sais pas, c'est celui qui joue le chef apparemment là. Ah bon, on l'a bien couché le chef. Mais ils essayent de faire quoi, de nous bloquer? Je sais pas. Bon, c'est pas très malin, il y a une issue à gauche et à droite. Moi, je sais pas. Enfin, un contrat contre leur véhicule là à droite. Peut-être tu veux que je me suicide en fait. Non, mais va récupérer. Va récupérer. Attends, stop, stop. Attends, je vais leur parler à eux, ils sont cool. Eh les gitans. Mais on n'est pas gitans. Comment vous voulez qu'on vous appelle? Parce que je sais pas comment je dois vous appeler. On est une bande de copains, on a rien de particulier. Ok, les copains. Écoutez, ouais. Si vous cherchez tout ce qui est batte de baseball, point américain, tout ça, il y en a au magasin du Tool Store, le grand marché, supermarché. Dans le nord. Ouais, dans le nord. Ouais, par contre, je suis désolé pour leur péter la gueule. Je sais pas si c'est un copain à vous, mais nous, on s'est dit, bah. Tu vois, le bloc, il y a une histoire, quoi. Ça a toujours été l'endroit bien où sûr. On venait pour non, dégager mais... du flic, toi. Bien sûr. Non, mais c'est... Alors, on le connaît, oui, mais il n'y a pas de soucis, bah, je comprends. Non, on ira le parler, on ira lui, le parler. C'est le boss. Non, mais nous, on se casse, on reviendra quand ce sera tenu par un mec qui a des couilles, quoi. Ouais, c'est sûr, parce que nous, malheureusement, on peut pas le tenir, parce qu'on n'est pas beaucoup. Mais qui c'est qui le tient, alors? Bah là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de personnes qui le tiennent expressément, tu vois. Ouais. Donc nous, on essaye de temps en temps de repousser les flics, tu vois. Moi, je t'avertis, si tu veux qu'on soit la tête d'affiche du truc, là. On vient là, par contre, c'est un pays là, le truc, c'est une frontière fermée là. Ah ouais, nous on se pliera à vos règles sans problème. Ah ouais? Ah ouais, sans souci, nous on habite juste à la rate. Le problème c'est qu'on n'a pas d'armes, donc autant te dire que ça aura pas duré longtemps. Ouais. Et j'imagine que le roux là il doit l'avoir. Là. Tu pourrais essayer de vous en trouver, allez, mais. Ouais, mais pour l'instant, je vous l'ai dit, si vous voulez débattre des trucs comme ça, ce sera peut-être plus efficace. Allez voir au Tool Store dans le nord. Mais on va aller voir ça. Bon, merci en tout cas. Pas de problème, bon courage. Attends, tu t'appelles comment? Je m'appelle Lakdaro Mike. Et t'as pas un numéro de téléphone? Ouais, tu veux me pécho déjà? Putain, ça va vite, microbe entre nous. Je te conseille pas trop de me pécho. Moi non plus, je me conseille pas de te pécho. Si tu tiens à la vie, à côté, à côté, un renard mort, c'est un vaccin. C'est quoi? D'accord. Alors, 980. Vas-y, ma biche. 999. Ouais. 105. Ouais. 568. Ok, c'est bon. M'envoie pas des photos. Je veux rien. Ah, c'est vraiment dommage parce que j'ai un OnlyFans. C'est vachement bien. De tes pieds? Non, spécialement, je montre un peu mes mains. Oh, c'est dégueulasse, ça. J'ai pas une autre comme ça, je vais dégueuler. Bon, ouais. On s'appelle, essayez de trouver des armes et on vient ici, on casse tout, y'a pas de problème. Ok, pas de problème. Ouais. Allez, bon courage. Ouais, ça allez, marche. Salut les gens du voyage. Faites attention à la route. Ouais. Attendez. Ouais. Si vous voulez un petit endroit pour vous poser tranquillement avec votre camping-car, allez dans le nord, hein. Ouais, bah c'est ce qu'on fait déjà, t'inquiète. Allez, magnifique. Vas-y, bonne soirée. On repasse bientôt. Si vous trouvez que t'as de la cocaïne, toi. Non, mais... Ah, mais ça, c'est plus testis, hein. Je demande au cas où. Faudrait mettre de l'essence, hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, bah, j'ai pas d'argent, c'est 400 dollars. J'en ai. Bon, allez, bon. Moi, le bloc, j'ai juste besoin qu'à certains moments, il soit calme pour que je puisse faire mon business dedans. Ok. Et là, ce soir, le moment où vous avez foutu la merde, j'avais besoin que le bloc soit calme. Oh merde. Moi, j'avais envie de casser du flic, toi. Non, le problème, c'est que c'est pas à cause de nous.
Bah si, c'est vous qui êtes allé mettre la première baffe, le gars qui était devant moi qui m'a mis un coup de matraque dans le problème, c'est que ça est resté bloqué pendant des heures si nous pas faire ça. Parce que eux, être vraiment sûr que Buffalo est dedans, et celui avec la Buffalo rouge, justement, s'être montré pendant que nous dire que lui pas être là. Ouais, mais il voulait la Buffalo rouge, fallait le laisser rentrer, comme ça il sait se barrer, vous inquiétez pas pour lui. Bon, en tout cas, on a permis à ce qu'il s'évade, ça servit à ça tout le bordel. Ouais, mais qu'il s'évade, c'est son problème, moi c'est pas le mien. Hein. Alors qu'il se barre pas, qu'il crève, qu'il se fasse pas tuer. Je sais pas, c'est les petits gars du bloc qui nous ont dit qu'il faudrait qu'il sorte, alors on a rendu service. Ça après, l'Agdar, et bah parfait. T'as quoi comme budget? 15 000 balles. 500 dollars. 15 000 balles? Ouais. Ouais, par personne ou en tout? Ah non, en tout. En tout? Ouais. Je sais pas. Je sors ma comptabilité. Vas-y. Gangster moderne. Bon, le but pas le petit, il est mignon, hein. Il est pas encore sauvage. Ouais, on va voir. Oh non, alors on fait une crise. Oh non, microbe. Répète. Debout, microbe, ça va aller. Le quoi? Vas-y. Allez, microbe. C'est cool en fait. Qu'est-ce qu'elle a là? Ouais. Elle a pas de cocaïne. Attends, bah, c'est microbe, ouais, elle est pas bien. C'est reçu. Excusez-moi, je me suis endormi, pardon. Je peux te faire 3 SD9 à 15 000 balles. Normalement, je les vends 6 000. Attends, moi j'ai 5000. Non mais t'as pas plus. Non mais attends, qui c'est qui a plus là? Les SD9, c'est des petits pistolets, je sais pas ce que tu vois, automatique. Y a ah un non, j'ai 3000. C'est à moi le Westlander derrière, vous inquiétez pas. On a combien à tout là? 15 000 à peu près. Mais toi, vouloir pistolet, nous préférer les battes de baseball que les molettes, non? Ouais. Il faudrait au moins. Est-ce que vous avez de la cocaïne? Il me reste 3000. La cocaïne, je la vends pas, je la garde pour moi. Putain, ah non, mais ça peut. Non, bah non. Un Westlander. Et où est-ce qu'on peut avoir de la cocaïne? C'est interdit sur route, faut faire attention avec ça, c'est un motif de contrôle à la con par ces enculés de flics. On a combien hein? Tout le gamin, il lui reste de la thune, il lui reste pas mal. Demande à ton mec combien il a de thune sur le compte de ma part, là. À part de Johnny. Demande au gamin combien il a de thune sur le compte, là, le petit blond. Là. Ouais, si. Alors après, tu me dis pour voir s'il ment ou pas. Vous avez des boucles d'oreilles en forme de carte? Ouais. D'accord. Excusez-moi, elle est restée perchée en 99. Hein. La crise de trop, un peu trop de LSD. Ça se voit. Ouais. Répète. 10 000 dollars, il a apparemment. Bon, bah. Non, ça... 2 000 dollars. 2 000 dollars. Bon, il ment un peu, donc il a un peu plus, à mon avis. C'est bien, genre, il est bien entraîné. Bon, écoute, tu peux nous filer allez, un pétard et quelques armes blanches pour commencer. Moi, je veux pas d'armes blanches, c'est bon. Un pétard, tu veux quoi? Tu préfères un SD9 ou un Deagle? Bon, Deagle. Le Deagle, c'est 7500, le SD9, c'est 6000. Bon, bah... SD9, du coup. SD9, ok. SD9 et, je sais pas, un petit combo, achète batte de baseball pour américain. Et clé à molette. Ok, j'appelle Lagdar. Il a ton numéro, Lagdar? Je pense pas, non. Non, il voulait pas. Il voulait pas de prendre le numéro, il a dit qu'il nous retrouverait. Ok, appelle le 636 dans 20 minutes. Je te donnerai un lieu de rendez-vous. Ok, impeccable. Okay. Ça roule. Et c'est quoi ton nom du coup? Ramenez le gamin. C'est Archie. Ok, Archie, enchanté de te rencontrer. Salam alaikum, c'est quoi ton nom? Je m'en bats les couilles. Ramenez le gamin. Et vous, madame? Mais le fumez pas. Oh ouais. Ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Voilà. J'ai une crampe à l'ego là. Voilà, ça, c'est bon ça. J'ai. Ça, c'est du caractère. Je suis tordu le mental. Elle a dit quoi? Elle a rien dit. Alors, elle dit, attendez, elle est partie. Ah bah elle est peut-être sourde. Ah ouais. Ah c'est vrai. Ouais, c'est ça sûrement, ouais. T'as raison. Ça serait bien du coup. Moi je retiens surtout la blague, salam alaikum, je m'en bats les couilles. C'est digne des années... T'as pas de mort. Non, je m'en bats la bouche et tout, on dit ça allait fumer et tout, et au final non. Bon allez, on va à la banque, il nous faut combien? 10 000 balles à peu près. Bah, et on a une livraison d'armes dans 20 minutes. Ah nous tous on a 10 000 balles, non? Mais non! Bah non! Bah non! On a combien nous tous là? J'ai 3000 moi! 3000 toi le nord là? Vas-y, 400 dollars sur moi! Non mais à la banque! Oh. Bah R0! Arrête de mentir, t'as posé la thune tout à l'heure! Bah t'as pris toute ma thune parce que tu voulais acheter une voiture! Mais tu leur as dit que t'avais 2000! Mais ils avaient dit ça! Ah. J'ai dit qu'à 5 on avait 2000 dollars, peut-être pas plus! Et toi t'as combien? 3585! 3000, 2000 ça fait 5000, moi j'ai 0 et toi t'as 0 aussi! On est bien! Compliqué. On a qu'à attraper une personne. Et la raqueter. Non, rappelle celui qui voulait nous écouter nos ordres tout à l'heure. Non, mais c'est bien moi. T'es pas en prison? Bah, comment ça, je suis en prison? Un gros François, il est pas en prison. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me donner, toi? Du shit encore? Arrête de distribuer ton shit. Je sais pas ce que t'as foutu la merde hier.
J'ai foutu la merde hier, moi. Ouais, ouais, j'ai récupéré tes petites culottes, ils traînaient partout. Hein? Non. Oh, oh oui. Bon, on peut vous aider, monsieur François? Oh, écoute, non, c'est la merde. Hein. Ah. C'est la merde. Ah, j'ai plus de courant chez moi. Ah, bah, la police qu'il faut aller voir, c'est. Les électriciens. Ah bon? J'ai peut-être récupéré la carte SIM, faut que j'aille voir dans mon coffre. Hein. Tellement t'as tout laissé traîner, t'es vraiment. Mais j'étais bourré, j'ai quand même le droit de picoler un peu des fois quand même, non? Ah ouais, mais t'as mis le bordel hier, il y avait. Je te dis rien, toi, quand tu fumes du shit là, et que t'en donnes à tout le monde partout là, quand même. Je vais récupérer tes affaires, hein. Ouais, voilà, voilà. Ils sont gentils. Souvent bourré, Walker, à mon avis, hein. Quoi? Je pense que vous êtes souvent bourré, hein. Oui, bah, j'aime l'alcool, t'aimes pas les coiffeurs, chacun ses petits défauts, quoi. Ouais. Mais quand même le droit de picoler encore, non? Bah oui, ouais. On est en état libre, hein. Faites ce que vous voulez, tant que vous respectez la loi, vous évidemment. Vous devriez picoler un peu d'ailleurs, moi aussi, je pense que ça vous ferait pas de mal. Ça vous déréglerait le fion un peu. Moi, vous voyez, je ne picole pas, je savoure l'alcool. Non? Oui. Ouais. Mais il y a des moments où vous êtes fun quand même ou pas du tout? Fun, ça dépend ce que vous appelez fun, mais là, en tout cas, à l'heure actuelle, bah, quand je me tire. J'ai compris, mais bon, enfin, ça fait partie du métier, j'ai envie de vous dire. Hein. Je suis un peu payé aussi pour être pas forcément quelqu'un de très. Très. Comment dire. Oui, bah, pas dire que je suis froid comme un frigo, mais. Enfin voilà quoi, vous avez compris le principe. On vous entend jusqu'à dehors, ça va pas de gueuler. Ah bagarre. Mon téléphone, il est où? Mon téléphone. J'arrive, moi, tu te démerdes, hein, sac à foutre. Bagarre ici, hein, messieurs, hein. Je vous rappelle la règle élémentaire. Hein. Quand on est dans un poste de police, on se comporte comme des gens civilisés. Bah, on n'est pas à l'école, dans un poste de police, c'est ce que je viens de dire. On est civilisés là. Charme, ma couillasse. Non. Fais un bisou. Non. Bon, et toi, je suis réveillé, j'avais plus rien. Bah oui, bah t'es plus rien. Bah oui, bah oui, bah moi non plus. J'étais bourré. Ah, c'est forcé ça de te reboire, hein. Blackout, on sait plus ce qui s'est passé. Je buvais pas, je dormais à l'arrière de la camionnette. Je me suis réveillé à l'hôpital. Devant, je sais pas. Ouais. Je sais pas ce que vous avez fait quand vous étiez ivre, hein, mais. Je sais pas, mais j'ai mal aux fesses. Mal fini, à part. Ah bah. Oui, bah... J'avais pas ce qu'il. En même temps, hier, il nous est arrivé des drôles de choses. Hein. C'est vrai que le bloc. Pouh, ouais, ça zouk, hein. Écoutez, c'est pas pour rien qu'on a mis des murs autour, hein. Hein, qu'il y a une raison. Si on a emmuré le truc, c'est qu'il y a une raison. Ah non, mais ok, non, mais disons que nous, on s'acclimate, là. On peut te dire que nous, avec notre bagarre, on est gentils, hein. Ah ouais. On est des gentils dans l'affaire. La bagarre! La bagarre. Il me semble que vous avez quand même une arme à feu, là, la dernière fois qu'on s'est vu. Oui, oui, mais je me la suis encore fait pour hier soir. Il va falloir encore, encore qu'on en achète une. Bah oui. Ah, tiens. Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire de vous, Walker? Je sais pas comment vous allez finir, mais. Hein? Sûrement, collègue. Qu'est-ce qu'il veut, cowboy? Il est où ton chapeau? Ah, c'est c'est Clitoris! Ah oui! Quand ça, Clitoris! Clitoris! Tu veux qu'on se la donne? La bagarre! Non, et. Civilisé. Je disais à vos collègues, monsieur. Clitus. Je sais pas. Mais vous ne voulez pas mettre une buvette à l'entrée là? Buvette, non. Et concrètement, quoi on peut vous aider là à l'instant? Rien du tout. Non, je suis devenu demander un peu d'aide, mais rien. Vous êtes venu demander quoi? Bah parce que, comme j'expliquais à votre collègue, baisse ça là, c'est une horreur, je te dis là. J'ai une question. Bon, posez votre question, je vous écoute. Bah, en fait. Je vais manger un peu, moi, tiens. Non. Menace. Je vous dois peut-être à vous 10 000 dollars. Vous me devez peut-être 10 000 dollars. Ouais, parce que j'ai peut-être roulé sans permis. Mais le problème, c'est que d'ici 2 jours, je pourrais pas ramasser la somme. On peut pas allonger. Vous avez peut-être roulé sans permis. Ouais, bah, ouais, peut-être. Du coup, vous devez peut-être prendre une amende, c'est ce que vous voulez me dire. Non, je l'ai eu. Je dois payer dans 2 jours, sinon je suis recherché. Ah, vous avez dit, d'accord, vous êtes déjà fait attraper. Rallonger, ouais. On peut pas rallonger à 3 jours en plus. 4 Vous travaillez. 4 Parce que déambuler dans les rues à moitié ivre, c'est bien marrant, mais bon. Mais je suis pas ivre. Je rentre pas tout seul. Oh. Quoi, oh? C'est tout. Il y a une part de vérité dans ce que je dis. Mais non, Enfin bon. Une grosse part de vérité. Oui, bah, j'en doute pas, ça se voit. On perd à chaque fois tout. Et comme les lois sont bien faites, et que nous sommes dans un état libre, bah, vous avez des droits comme n'importe quel citoyen, et je suis bien obligé de les respecter. Oh là, c'est pour ça que je vous parle à l'heure actuelle. Bon. Vous pouvez m'avancer 10 000 dollars?
10 000 euros. Comme ça, je voulais roi, je voulais roi. Ah, moi aussi, si possible. Parce que là, j'ai plus de clé, j'ai plus de téléphone, j'ai plus de bière, et plus d'essence. J'ai plus de joie, j'ai plus de gun. Il y a des aides d'État qui ont été mises en place, vous allez pouvoir acheter votre téléphone. Ouais, non, mais tu sais comment ça coûte un gun? Enfin, je veux dire, un plein d'essence, un plein d'essence. Ouais, ouais, un plein d'essence, ça coûte 100 $. Que dans l'absolu, même si j'envisage de vous faire crédit, j'ai quoi comme gage derrière moi? Si, moi, là, croix de fer, si je mens, tu vas en affaire. Voilà. C'est ce qu'on appelle un gage, ça. Qui c'est qui veut donner quelque chose, là, qui glisse sa main dans la poche, là? C'est moi. C'est toi? Ouais. Encore un vendeur de shit, j'en ai marre, hein. Ah, oh, moi, on m'a dit, un téléphone à rendre. T'as touché les fesses? C'est pas un téléphone, c'est une carte SIM. Hein, non, c'est un téléphone. Ah bon? Bah tiens, je te donne celui-là en échange. Oh, bah merci beaucoup. C'est celui-là où il y a les numéros du mec, là, qui vendait. Ouais, bon, allez. Du coup... Messieurs, du coup, pour répondre à votre question initiale, hein, on ne vend pas d'alcool ici, désolé. Oh. Pour la question. Mais c'est pas de l'alcool qu'on veut. C'est une dépanneuse qui vient de chercher ma bécane parce que j'ai perdu mes clés. Ah ouais, moi aussi j'ai perdu mes clés. Vous avez essayé de contacter un garage? On a plus pas de téléphone. Attends. Ah ouais, c'est compliqué. Est-ce que tu connais mon grain de sel? Bah vas-y, t'as déjà commencé. Oui, ouais, ouais, allez-y maintenant. Mais t'as toujours les papiers de ta bécane? J'ai plus les papiers. Ah, vous avez plus les papiers, ça. Quoi? Attends. Ils sont les papiers? Les papiers? Plus de papiers. Ah, j'ai les papiers. Si t'as les papiers, si vous avez les papiers, vous pouvez toujours demander à la mairie, je crois. Oui, à la mairie, ouais, avec la redémarche là-bas. Vous pouvez nous déposer? Ah ouais, moi je peux déposer l'un de vous deux quand on aurait fini. Moi aussi, je vais là au coq devant. Coq, bah déjà. Chef, déjà. Comment le shérif, le Kéluc, est-ce que je peux nous déposer la mairie s'il te plaît? Promis, on sera des bons soldats. Garde à vous, garde à vous. Appelez-moi Richardson directement, ce sera plus simple. C'est trop compliqué. Personne, est-ce que moi. Est-ce que je vous appelle Clodo Ivre, moi? Non, je me permets pas. Oui, on t'appelle Riri, Fifi et Loulou. Allez, là, c'est impeccable ça. Richardson, ça ira très bien. Allez, on y va. Allez, mairie. Riri à la mairie. Oui, je vais faire déposer à la mairie, monsieur. Si vous voulez. Bah, je viens avec vous, Gordon, on va quand même. Je suis avec Victorion, donc du coup, ça ferait 5. C'est parti, ouais. Allez, à la mairie. Au pire, moi je vous attends. Avec Riri. Attends, et puis voilà. Je sais pas du tout, je sais pas ce que ça veut dire. On a un café. Mais super, super sympa la chanson. Jamais entendu. Qu'est-ce bonne journée, monsieur. Oh, bah, salut. Oh, ouais. C'est qui cette barbouche là? Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? C'est qui ce. C'est qui ce Père Noël? Wow! Elle est dans mon sommeil, pour mes frères. Un sol et sans soleil et sans chaleur. Bonjour messieurs. Et vous pouvez m'aider à la trouver. À la lèvre. Dieu bleu, Mélissa. La lèvre. L'œil. Vent. Vent. Blanc. Blanc. Macusto. La lèvre. Dieu bleu, Macusto. La lèvre. Vent. Blanc. Non, on va pas prendre un carnaval pour ça là. Pichetez de ça suffit, mais bon, si ça tombe mal, on va encore se. Allez, bravo l'artiste, maintenant vous pouvez circuler. Hey, wow. T'es trop fort, t'es le meilleur. Merci beaucoup. Elle est à vous la voiture au moins là? Bah, heureusement. Ouais, j'espère, oui. Si vous voulez, je peux vous faire un concert dans le commissariat, mais c'est payant. Combien vous demandez? 50 mètres. Oh bah, on verra ça plus tard alors. Alors, on y va, là, c'est parti, on y va. Allez, alors, par contre, vous montez derrière, messieurs, hein, devant, là, c'est ma place. Oh, ah, oui. Place du coq en chef. Exactement. Allez, Riri. Bah, j'attends votre tour, colonel. Hein. Comment? Bah, j'attends votre tour parce qu'on est censé être dispatch ensemble. Oh, ouais. On dépose juste ces deux messieurs. C'est pas de vous, j'ai peur, c'est de ce que vous pouvez transmettre. T'es complètement con à un niveau, lui, par contre, c'est dingue. Votre collègue? Bah ouais.
Bah... Je t'en mets pas deux, à toi. Pas de bagarre dans la voiture, monsieur. Mais non, parce que si je te touche, je te couche. Du coup, tu pourras pas. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais y'a un problème, allez voir, là, non, j'ai un problème, là. Attends, on va vous déposer, puis on va aller voir, parce que c'est sûrement quelqu'un de bourré. On dit rien. Bouche cousue. Ouais, c'est comme un stage. Allez, on dit rien. On est arrivé, on pouvait descendre. Allez, on...